Et salut les Guimauves, aujourd'hui 9e épisode du Skyblock d'Akipixel. Donc aujourd'hui les gars, on se prépare pour les donjons. Donc on va acheter nouvelle épée, on va acheter nouvelle armure. Normalement, ça va me coûter cher l'armure. Faut que je forme pas mal d'argent, mais normalement ça devrait le faire. On va aussi voir les gars pour passer 1 million tier 11, enfin le premier million max de notre let's play. Bonne vidéo. Ok les gars, on va tout de suite commencer par retirer de l'argent. On va se prendre 20% et re-20%, enfin 180K. Et on va aller au bazar. Ah, le serveur lag trop pour aller au bazar. Je suis sur un autre serveur, les gars, j'arrive. Ah là, c'est mieux. Donc on va aller dans Ojiz, dans Compactor, et on va s'acheter un super compacteur 3000. Et normalement, les gars, ça devrait bien nous aider. On va en acheter un pour 500 000 $. Là, il me coûte 4. Bon, c'est jamais le même prix, bon, c'est pas grave. Et normalement, il devrait, au fil du temps, nous de la cobble enchantée si je me mets dans le truc de cobble. Donc on va tout récupérer, puis on... et voilà, ça me fait de la cobble enchantée quand je ramasse, c'est parfait. Donc en épée les gars, on m'a conseillé, je vais l'écrire ici, une Aspect of the Dragon, et elles sont là, donc on va mettre le West, c'est parfait. Donc ça coûte 429 000 la moins chère. Je vais retirer le million de dollars qu'on a, enfin le 1 816 754 $ les gars. Ok, 420 000, je vais prendre la moins chère, hein, 420 000, et voilà. C'est acheté les gars. Ok, donc si quand je fais clic droit, ça me coûte 100 de mana, mais tous les monstres devant moi meurent. Ils prennent 15 908,8 points de dégâts. Et on va hop aller enchanter la. Enfin rite forgé pardon. Pas ici. Crit damage. Non, moi je vais augmenter le crit chance. Crit chance plus 20%. Ah, ça m'a l'air pas mal ça. Je vais voir si on n'a pas d'autres. Ah, voilà, j'ai gagé. On va rester sur Sharp. Ça m'a coûté une fortune de le remettre. Mais ouais, donc plus 20% de crit chance et plus 75% de crit damage. J'ai envie d'essayer l'épée sur un mob qui a beaucoup de vie, mais je sais pas lesquels choisir. Je vais réfléchir à ça, puis on va y aller. Hein. Les copains, les copines, on est dans l'end et on va tester l'épée. On part. Pour ça, faut qu'on aille tout en bas. Bon, après, certes, on triche un peu avec la Ender Armor qui va doubler nos stats, mais déjà, un coup normal. Il met quand même assez cher. Hein. Il met presque 6000 HP de dégâts. Et alors, le boost avec clic droit. Ça met très très cher. Et bon, par contre, maintenant il va falloir enchanter l'épée. Ça, c'est une autre affaire un peu relou. Mais ok, les gars, est-ce qu'il serait pas temps d'enchanter? Alors, le premier truc à mettre, ça va être Sharpness 5 pour 30 levels. Ensuite, Scavenger pour 30 levels. Et là, on utilise des potions. Ok, les gars, je suis monté qu'à 60 niveaux de plus. Je sais pas trop quoi mettre sur. Ah, bah déjà, télékinésis, forcément. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus Looting, hein. Moi, je pense en vrai, un petit looting 3. Je vais continuer de la up en off, les gars. Enfin, je vous ferai sûrement un débrief après si j'oublie pas de le faire. Ok, les gars, alors je suis pris de court là. J'ai 7 abonnés. Enfin, non, enfin, c'est pas un abonné, c'est un membre du serveur qui m'a dit de cliquer sur Simon pour avoir un gâteau. Il veut que je vende pour 100K. Je vais dire non, parce que j'ai peur qu'on m'arnaque. Je pense que c'est une arnaque, les gars. Nope, I will use it in my videos. Sorry, but I keep it. Je pense que c'est une arnaque, les gars. Je pense qu'il a vu que j'étais un peu un débutant et je pense que c'est une arnaque. Donc non, désolé, je préfère le vendre à un abonné, le donner à un abonné, que me faire arnaquer par un mec random sur le serveur. Slash IS, voilà. On a plus de temps à perdre avec lui. Je serais curieux de savoir combien coûte un gâteau. Donc, regardez, je vous remets le gâteau que j'ai eu. C'est le Century Cake of Hype. Donc, si les gars, vous savez combien il coûte, mettez-le moi en commentaire. Vous pouvez me MP sur Discord, vous pouvez me MP sur Insta, vous pouvez me MP sur TikTok. Dites-moi combien ça coûte et est-ce que 100K c'était un bon prix ou pas. Ça se trouve, c'était quelqu'un d'honnête, hein, mais moi, je pense que c'était une arnaque. Ok, les gars, on est dans l'action. Parce qu'on va voir pour acheter notre prochaine armure. Comme vous pouvez le voir, j'ai retiré mes 2 200 000 $. Et on m'a conseillé d'acheter une Strong Dragon Armor. Donc on m'a dit que s'il y en avait un pour entre 2 millions et 3 millions 5 au total de l'armure. Là, si on regarde, on a un plastron pour 500 000. Donc je vais l'acheter tout de suite parce que c'est pas très cher, je pense. Je pense que c'est à peu près le prix. Donc hop, on regarde. Donc le plastron, on a. Alors les bottes. Ah oui, les bottes, on est déjà dans du 700K. Je sais pas si c'est rentable. Si on prend bottes et casque, ça va me faire combien? Ça me fait 1 500 000 les deux. Je vais faire ça en vrai. Je vais prendre des bottes et je vais prendre le casque. Et après, on verra parce que les jambières, il y en a pour 500 000 là. Tiens, allez, un casque pour 880 000. Ok, là, j'ai eu. Il me reste plus que 42K. Aïe aïe. Mais bon, c'est pas grave. Tu regardes un peu à quoi on ressemble avec cette armure. Bon, là, on a du flow là. On est là. Je vais retourner farmer de l'argent moi. Et puis voilà. Hein. Bon, les gars, j'ai trouvé une nouvelle technique de farm. Je suis dans la gold mine et la cobble se casse grave vite et elle va directement dans mon sac. Donc je vais me full le sac de cobble, je vais aller tout vendre et je vous montrerai combien on se fait. Et les jambières, les gars, je me suis renseigné là un peu en off. Enfin, 1 400 000. Bon, les gars, on est au bazar. Comme vous l'avez deviné, j'ai full
le sac, comme vous voyez là, on est à 20 160 cobble dans le sac et on a un inventaire de cobble. On va tout vendre. Quoi, mais en vrai, ça fait pas tant que ça. Hein. J'ai fait 140K en gros. 145K avec tout l'inventaire. Je m'attendais à mieux en vrai. Et ça nous permet de passer les 1 million de dollars. Je vais juste vous montrer les gars vite fait pour que vous vous rendiez compte du prix des jambières de la Strong Dragon Armor. Hop les gars, je tape Strong. On va dans Lowest Price. Et la première est 900K. Oh là là, je vais lâcher direct. Oh là là. Oh non mais les gars, ouais, c'est fou là. J'ai envoyé que à genre 1 million 400 000, 1 million 500 000. Wouah, je suis trop content. Oh là, la Rogue Sword qui va me permettre peut-être de l'avoir. Si je l'ai pas les gars, je me tue genre. Elle est déjà partie. Les jambières sont déjà parties, mais non. Non, les gars, y a rien d'intéressant dans les enchères. Je l'achèterai probablement off, les gars. Je sais pas si j'aurai le temps de. En fait, pour vous dire, là, faut que ma vidéo soit prête ce soir. Voilà, parce qu'après, je suis pas là ce week-end. Et bref, là, on est jeudi pour vous donner un ordre d'idée. Demain, je pars de chez moi et je rentre dimanche soir. Donc, en fait, ma vidéo, faut qu'elle soit prête ce soir. Bon, je vous raconte ma vie, mais j'espère que ma vidéo sera cool à regarder et cool en termes de contenu. Bon les gars, j'ai farmé 1 500 000. On va essayer d'acheter des jambières. Bon après je garantis rien parce que dès qu'il y en a qui sont à bon prix, ça part 1 million 2, j'achète tout de suite. Je les ai eu. Oh, je les ai eu, j'ai la foule armor les gars. Oh là là, magnifique les gars. Elle m'a coûté plus de 2 millions de 3 millions, je sais même plus combien j'ai payé, franchement, je pense que je ne veux pas savoir. J'ai plus que 300K. Aïe 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 aïe. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'on va surmonter le moral les gars en changeant d'armure tout simplement. Hop, on enlève cette armure qui est ma foi dépassée. On va l'équiper. Et là, 936 points de vie, 591 de défense. Et n'est pas tout enchantée. Puis je vais voir pour la Reforge Fierce aussi. Je vais tout mettre Fierce dessus en Reforge. Bah tiens, on va sur ça maintenant même. Slash Hub. Je vais les reforger maintenant avec vous les gars. Si j'achète d'argent, parce qu'en vrai je suis pas sûr de ça. Hein. C'est fou d'un peu sur Skyblock les gars. Comment on peut farmer de l'argent et c'est genre tout perdre d'un coup, ça me fait halluciner. Mais bon, alors commençons. Fier, c'est bon. Et okay, mes jambières sont déjà fiers sur le plastron, c'est good. Et je paye combien par effort? Je paye 5 000. Franchement, ça pourrait être pire, je pense. C'est bon, 5. Oh là, j'ai claqué plus de 100K dans les reforges. Mais bon, les gars, c'est pas grave en vrai. Ok, les gars, on va finir cet épisode sur une chose que j'aime faire. Le dernier épisode a fait 2 likes, donc on va up 1 million, les gars. Et on va up le dernier million qu'on a eu, je me suis dit, donc, qui est le million de gravier. Il est là. Je vais le up tout de suite les gars, je vais en prendre dans un tout petit instant. Bon les gars, on se retrouve dans l'espace d'Anden pour récupérer un peu de gravier. En vrai ça me vénère les gars, je vous dis ça maintenant pendant que je pars, mais cet épisode va être hyper court. Et ça me vénère de vous mettre un épisode court parce que je suis en retard, parce que je fais rien en fait. Le prochain épisode devrait être cool vu qu'on s'attaque, normalement, on s'attaque au donjon, donc ça devrait être cool. Mais bon, ça me vénère quand même de pas pouvoir vous proposer un épisode de qualité en fait, parce que enfin je suis vraiment désolé franchement. Ah tiens, bah d'ailleurs je viens de voir un truc tant que j'y pense. Dans les commentaires ou en MP, dites moi ça depuis aujourd'hui les gars, ça me met vous avez été remercié par 2 joueurs dans la dernière minute et ça me met ça genre tout le temps. Bon les gars, je viens de revenir, j'ai tout ce qu'il faut pour améliorer notre minion. Hop là, on va l'entourer de tout le gravier que j'ai farmé. Normalement c'est assez ou quoi que ça va être juste hein. Ah ouais, c'est très très juste. Un minion niveau 2 et encore 9 niveaux pour avoir un 16e minion possible. Enfin, posable, pas comment dire, qu'on peut une place de minion en plus quoi. Hop, on met lui là et lui on le range là. Voilà. Bon, les gars, ça va être la fin de cet épisode. Je suis vraiment désolé qu'il soit si court, sincèrement, ça me vénère de fou. Abonnez-vous, n'hésitez pas à me donner des conseils, etc. J'ai envie de reprendre les tutos et la présentation de mode d'ailleurs. Si vous avez des modes que vous voulez que je vous présente, n'hésitez pas à me MP ou à me les donner en commentaire. Abonnez-vous, likez, vous connaissez, de toute façon, tout le monde vous dit ça. Et gros bisous, les gars.